feu. C'est la suite du mois d'avril ici. C'est les Cowboys Fringants qui sont avec nous et au courant de l'émission, ils vont être avec nous pour nous faire quelques chansons, mais pour aussi répondre à nos questions, à celles du public. Alors sans plus tarder, allons rejoindre Rebecca sur scène qui est avec les Cowboys Fringants. Merci Gonzo. Depuis l'apparition de l'album Break Syndical, les Cowboys Fringants sont devenus absolument incontournables au Québec. Plus de 70 000 copies de l'album ont été vendues. En plus de ça, ils se sont... Effectivement, c'est le triomphe. Ils se sont mérités le prix Félix au dernier gala de la disque pour meilleur album alternatif de l'année. Et évidemment, vous avez vu en tournée, une tournée triomphale à travers le Québec. Donc, on est très fiers d'accueillir pour la première fois en prestation dans l'environnement de Musique Plus nos artistes du mois d'avril 2003, les Cowboys Fringants. Gaétan. Rock and roll digne de Foreigner qui, je crois, même va faire un spectacle avec nous cet été à Woodstock en Beauce.
C'est un grand honneur pour nous, surtout que dans cette chanson-là, on parle un peu d'eux, ainsi que de la rue Broadway à Pointe-aux-Trembles. De retour dans l'environnement de Musique Plus, on est ici avec nos artistes
fascinée. Vous comprenez pas qu'est-ce que j'ai dit, hein? Non? Je me regarde, je dis... Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de mosh pit. Oui, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu. Ça a l'air que ça fait à peu près... Vous êtes en pleine forme. Vous êtes content de les voir quand même. Oui, oui. Est-ce que ça va bien, tout le monde? Oui, ça va bien. Il y a juste un hic, on a oublié d'enlever les batteries du micro de Dominique, mais ça va se régler après la pause. OK, hey, de retour. D'ailleurs, t'as enlevé tes souliers, c'est comme un combo. J'ai oublié certains fans se décident de mettre des chapeaux épais. Alors, j'en vois quelques-uns. J'en ai vu quelques-uns, moi aussi, là-bas. C'est beau, un chapeau épais à télévision. Ma mère est contente. Ta mère est contente. Je suis certaine qu'elle est très fière de toi. Et on est très fiers de toi. Elle est très contente de toi, en tout cas. Oui, franchement. D'ailleurs, c'est surprenant que quelque chose du magasin, une pièce, marche encore. C'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est beau. Bref, on est fiers de toi. Ta maman est fière de toi. Les gens ici sont fiers de toi, comme je disais tantôt. Ma mère est très fière qu'elle n'a pas encore vu la musicographie qui va sortir le 13 mai. Je pensais que c'était le 9. Ça va être le 13. C'est le 13 mai. OK, petite plug en passant. C'est beau, c'est facile, mais c'est correct. Donc, comme je disais tantôt en vous présentant, qu'est-ce que... ben oui, hein, comme 2 minutes du show, même pas. Mais j'ai gagné un pichet de bière là, en plug ensemble dans 2 minutes. Félicitations. Réaction de la foule. Aucune. Quand même. Je vais être par là, moi. Bonne chance. Les blagues de Dom n'ont jamais de punch, alors voici. Mais la prochaine fois, vous auriez comme vous seriez là, un cue de quelqu'un. Là. Ouais, on peut tous se décaler finalement d'un spot. Ouais. Ouais. Hey, c'est la chaise musicale avec les cowboys. C'est le volleyball. Okay. À chaque question, un qui part, on revient. Ouais, c'est parce que dans son contrat, Dom avait le droit de parler 2 minutes. Okay. Et c'est déjà écoulé. C'est déjà donc, écoulé. Ok, ben, on va se dépêcher vite, pour vite à ton tour. Oui. Donc, 2002, une année fantastique pour les cowboys. On l'a dit souvent, il y en a qui réfèrent à 2002 comme l'année de la révélation, sinon la consécration du groupe. Mais c'est, ça fait longtemps que vous bûchez quand même. Vous aviez déjà plusieurs albums à votre actif. Oui, on a effectivement 4 albums. On bûchait pas tant que ça, par exemple. Vous avez travaillé fort. C'était, on a travaillé un peu, mais c'était assez relax quand même. Est-ce que Break Syndical, qui a connu un fort succès, a été comme une dernière tentative de percer véritablement? Oui. En fait, tu te demandes si on allait, mettons, si cet album-là marchait pas, si on lâchait la musique pas, après ouais, et on retournait travailler dans le bois. Ouais, ou tourner travailler camionneur de Rona, je sais pas. Ou faire continuer. Gars, on a biochimiste ouais, parmi ben, nous. Jérôme est le seul diplômé universitaire dans le groupe, donc nous autres, on espérait vraiment que ça marche. Parce que personne n'avait un backup dans le groupe à part Jérôme. Donc, on sait que Dom a fait de courtes études en inhalothérapie. Et en animation. Courtes études? JF était quand même propriétaire d'une compagnie de ouais, ménage. Entretien JFP. De ménage. Okay. J'ai été le seul à l'engager Inc. quand même. Inc. Fait que finalement, oui, non? En fait, on disait que peut-être qu'on l'abandonnerait, mais finalement, on sait pas, on aurait peut-être continué pareil. C'est parce qu'au départ, quand on a commencé à enregistrer cet album-là, mais on a tout laissé nos emplois qu'on avait en dehors du groupe. Fait que c'est sûr qu'on a mis beaucoup d'espoir dans l'album, puis on est bien content de ce qui se passe. Courageux, toi. Ben oui, je trouve ça courageux. 2 ans, je travaillais pas, moi, c'était pas du courage. Voilà, de la lâche, c'était de la lâche, tout. La réaction de la foule! Enfin. On sait que Dominique est quand même le membre du groupe le plus souvent congédié dans l'histoire présentement. C'est sûr, j'ai eu seulement une job, donc okay. Travaillé okay. 7 ans dans un club vidéo. Mais bref, la suite de l'histoire, on la connaît. Vous êtes rendu ici aujourd'hui. Mais les débuts, pour les gens qui ne sont pas des fans irréductibles comme ici, racontez-nous là, votre version des débuts, là, la rencontre entre les deux cerveaux, les masterminds. Les deux Dudro, cerveaux. La rencontre dans le vestiaire. Non, je suis arrivé plus tard. Jérôme est arrivé plus tard, donc c'est pas les deux cerveaux ne sont pas rencontrés au début. Ça a été juste moi et Carl au début. Mais c'est moi, c'est ce que je voulais dire par deux cerveaux. Un cerveau et demi qui sont rencontrés. On s'est rencontrés dans une chambre de hockey. On jouait pour les Jets de Repentigny. On formait tout un trio, d'ailleurs, avec un dénommé Marc Plante. Je te salue si tu nous écoutes. Et c'est ça, on était bien poche. Je pense qu'on a eu 3 victoires, 40 défaites cette année-là. Mais on avait ça, vous avez décidé d'écrire des chansons? Ben non, mais Carl, il était dans un groupe punk, puis il m'a dit « Hey, j'aimerais ça former un autre groupe, parce que mon groupe punk, c'est poche, ça marche pas. » Non, ça n'a aucun rapport, c'est que j'ai pratiqué 2 fois avec un groupe punk, et là, j'ai approché JF. J'ai jamais fait de spectacle avec le groupe punk avec lequel j'ai pratiqué. Puis là, ben c'est ça, je l'ai appelé, puis j'y ai dit « Ouais, salut, moi... » Avec cette voix-là? Ouais, dans ce temps-là, j'ai une voix bien grave. Okay. Je compose des chansons, puis ça a l'air que toi, t'es capable de jouer un do puis un sol, donc on s'est dit... J'étais capable de jouer un mi mineur aussi. Ouais, le mi mineur aussi, en 97, c'est quand même bon. C'est quelque chose. Puis donc, c'est ça, donc il m'a dit, GF, OK, bon, ben vite, hein, on va checker ça. Puis là, ben on a essayé de composer des chansons sérieuses au début.
Vous avez essayé. Oui, on était très bons d'ailleurs. Puis là, on était déjà blasés après une demi-heure, donc on s'est mis à regarder la télé. Et on a vu cette fameuse émission Country, Ovila Landry présente. Oui, c'est vrai. Du bord de l'eau à Charlemagne en direct, où il faisait venir des talents amateurs et les faire passer. Et là, on est allé faire l'audition et on n'a pas été pris. JF a pété la guitare d'Ovila Landry d'ailleurs. J'avais jamais vu ça. C'était plus une corde que la guitare. Mais... Non, t'avais brisé le manche en deux. J'avais pété dans la face. Ouais, c'est ça aussi. Non, c'est pas vrai. On salue M. Landry aussi. On salue beaucoup de monde, j'ai l'impression. Ouais, on salue pas mal tout ça qu'on a côtoyé. Il y a Fenêtre Sophie qu'on va pas oublier aussi. Est-ce que Cougar Deschamps, je pense? Ouais. Cougar Deschamps, si tu nous écoutes, salut. Ouais. Donc c'est ça, c'est parti ça. De on là. On peut faire ça pendant une heure et demie, salut oui, les gens. Oui, j'ai vu voilà. Ça, je trouve ça le fun. Et puis là, oui, vous voilà, tout le monde est grave par la suite. Vraiment trouvé ça le fun. Non, je trouve ça le fun! Je trouve ça le fun quand comme 19 minutes, on est rendu là, j'aime ça. Bon, okay. Autres, est-ce que vous avez c'est sûr fun? Que Carl a un début très lent, alors je peux parler non, plus vite. Non, mais parce que je m'en allais dire, le retour de sa voix est revenu parce qu'il s'est mis à parler comme ça encore. Non, mais je peux t'expliquer la suite là, rapidement comme ça. Carl a un peu, c'est un peu le néo Daniel Boucher. Il s'exprime, il réfléchit pense beaucoup avant, en c'est bon, il réfléchit avant de parler. Donc, non, mais c'est ça, la suite de tout ça, on s'est inscrit à un concours à Ripaille, puis là, ben, Marianne s'est joint à nous, on a été en finale, on a gagné la chance de rejouer dans un jour de l'an là-bas à Ripaille, et là, Jérôme s'est joint au groupe, on avait besoin d'un drummer, on a engagé un drummer, puis là, le drummer s'est joint à nous, il a fait 2-3 chansons, il ratait les... En tout cas, après ça, on a continué, et là, on demandait à Dom Lebeau de se joindre à nous, et là, après Dom Lebeau s'est joint à nous, il a commencé à pratiquer, il était nupi, il avait des petits shorts d'Adidas, il était mais là. Mais tout ça, bien wow. Sûr, est bien expliqué dans le documentaire Country, qu'il va avoir dans le DVD fois. Qu'on va il donner. Le... le 13 mai. Voilà! Avec le double album live. On salue les frères Storm qui ont c'est produit qui, ça, et réalisé le documentaire. Les frères Storm. Alain, cool. Si tu écoutes, merci. Wow. Mais là, on va aller déjà Gonzo public. Public. Oui, oui, exactement, c'est très bon. Tu fais ma job. Gonzo c'est public. Officiellement Gonzo, c'est ça veut dire que les gens ici? Stéphane Gonzo Gonzalez. Gonzo. Comment ça va, Carbois? Ça va bien, super. Ça va bien. Okay. Fait que là, l'artiste du mois, non, c'est des questions, mais il y a aussi des questions du public. On est allé sur la rue, on est allé poser des questions à vos fans. Il y a aussi des questions par Internet et il y a plein de gens ici, je suis sûr, qui ont plein de questions pour les Carbois, non? Alors, il y en a une première ici. Salut, ça va? Salut, oui. C'est quoi ton nom? Julie. Julie, alors vas-y pour ta question pour les Carbois. Salut, moi je voudrais savoir ce qu'il adviendra des déboires de Gina Pinard dans le futur, puisque comme on l'entend dans la noce, elle est maintenant mariée à Dupuis Labrosse. Ouais, Gina Pinard. Bonne question. C'est une très belle question. Merci, moi Julie. Je te dirais qu'il va y avoir une chanson qui va parler seulement de Gina un jour. Ah oui? J'espère, c'est oui. C'est ça, toi? Oui. Elle est super bonne, elle a déjà commencé, mais c'est juste que Gia veut pas la mettre tout de suite sur un album. C'est ça, mais il va sûrement y avoir d'autres péripéties. D'ailleurs, je l'ai vu dernièrement, elle m'a raconté tout ça, là, puis il s'est passé bien des affaires dans sa vie. Elle va bien, ouais, Gina? Elle va mieux, mais là, elle a eu une peine d'amour, parce que JP est parti, en tout cas, il est trucker, puis il l'a laissé. Okay. Mais ça va bien, ça va mieux, là, quand même. Mais c'est bon, hein? On voit que le public est vraiment très attaché au personnage que vous avez créé. Mais vous autres aussi, là, vous leur avez créé toute une généalogie, ils ont une adresse, ces gens-là, oh, ils ont oui, une histoire. Il existe pour oui, on peut lire ça sur www.carbois.com. Exactement, il y a une encyclopédie, ils sont répertoriés par ordre alphabétique. Je vous conseille ça, c'est assez quelque point chose. Ouais. Non, Gina, il va y arriver de quoi d'autre, c'est certain. Là. C'est bon pour Gina. J'attends d'avoir ses nouvelles encore plus profondément. Bon, entre-temps, oui, Vox merci. Pop. Jérôme, qu'est-ce que ça dit, le carton? Vox Pop. Reb, c'est moi. Gonzo, Reb, Vox Pop. Donc, on est allé dans la rue, on s'est promené, on a demandé aux gens, avez-vous des questions pour les Carbois fringants? Regardez le moniteur. Salut, mon nom est Julien Vaillancourt, La Liberté. J'aimerais savoir, cher Cowboy Fringant, parmi la gang, c'est qui le plus fringant? Toutes les réponses sont bonnes! Attends, on va répéter la question. Parmi les Cowboys fringants, lequel est le plus fringant et... Et toutes les réponses sont bonnes, mais dans la foule, c'est ce gars-là. Ça dépend de... Ces temps-ci, c'est GF. Pas moi, c'est pas moi. En c'est pas toi, Carl? Pourquoi? Ça dépend de chacune des époques de notre vie. Okay. On est plus fringants à certaines époques que d'autres. Puis là, en ce moment, en 2003, GF. Avril... GF! Non, mais non. Hey, les cages d'ascenseur, là, des histoires de même, là. C'est quoi ça? Non, non. Les cages d'ascenseur, non. Des histoires de même. Non. Explication, non, s'il vous plaît, non, on exige. Absolument, non. Absolument rien. Absolument rien. Rien à expliquer là-bas. Rien à expliquer. Ça serait pas toi, Dominique, le plus fringant? Non. À une autre époque. À une autre époque. Okay. En tout cas, on change de sujet. Je te répondrai benoîtement non.
Non. OK. Public Gonzo. De façon de Benoît. Non. Jérôme, tu devrais vraiment faire le régisseur. T'es excellent. En plus, bon, alors donc, public Gonzo. Gonzo, t'es dans le public, t'as des questions encore? Comment ça va? Salut, ça va bien, toi? C'est quoi ton nom? Moi, c'est Guillaume. OK, vas-y, ta question. Ma question, c'était si vous aviez un parti politique, ça aurait été quoi votre slogan? Soyons pour un parti, c'est pour un Canada pain. On prévoit d'ailleurs se présenter aux prochaines élections fédérales dans le Parti Pain, qui va offrir du pain à toute la population. C'est une lutte contre une lutte à la pauvreté. Pour un Canada pain. Canada Je peux jurer que c'est vrai, on va être là aux prochaines élections, on va avoir des pancartes. Mais attendez, le slogan, qu'est-ce que c'est pour le Canada pain? Pour un Canada pain. Ah, c'est, OK, c'est le nom du parti, c'est le slogan aussi. On a pensé à rester au programme. Ça va être la première fois qu'il va y avoir un double candidat dans une circonscription. Moi et Carl, moi puis Jérôme, ça dit, on se co-présente dans la circonscription de l'Assomption. Et puis, y a-t-il des gens qui vont voter ici pour le Parti Canada pain? Le Parti pain. Ça semble assuré que vous allez être porté au pouvoir, je pense. Peut-être pas au pouvoir, mais... À l'opposition? En tout cas, ça serait drôle. Ça serait drôle. Donc, Jérôme, est-ce que tu me lis le prochain carton? Pause prestation. Pause prestation. Donc, restez avec nous, ça parce qu'après la pause, les cow-boys continuent, vont nous chanter des belles chansons. Restez là! De retour sur les ondes de Musique Plus à l'artiste du mois d'avril avec les cow-boys fringants. Une foule sérieux en délire. Un public en feu! C'est le bon mot. Ils sont en délire, ils sont en feu. C'est pas tout à fait terminé. Ils vont encore nous proposer quelques prestations. On commence immédiatement avec Polyvalente. Polyvalente, c'était le kick de toutes les étudiantes. C'est vrai qu'il était beau bonhomme, pis qu'il avait un petit côté bon. C'était l'idole de ses amis, il était toujours bien entouré. Il faisait rire toute la galerie quand il était sous dans les parties. Regardez, il est devenu abusé plus. Encore, la nature y avait tout donné. Pareil qu'il était bien à manger. Il y avait deux, trois blondes en même temps. Pour lui, c'était même pas fatigant. C'est le meilleur dans tous les sports. Au football, il était pas mal fort. Pis c'était tout un joueur de hockey, même qu'on pensait qu'il serait repêché. Le sixième choix du Jazz de Repentigny, Carl Tremblay. Comme il aimait pas étudier, il a tout lâché pour travailler. À shop, il faisait bien de l'argent, assez pour flasher un bout de temps. Un jour, il s'est fait estropié, il est tombé sur un CSST. Le pauvre ne pouvait pas savoir, la vie venait d'y régler son sort. Aujourd'hui, le gars a quatre enfants, se fait vivre par le gouvernement. Le cul de sa blonde a quadruplé depuis le jour où il l'a marié. Et quand on le rencontre dans la rue avec sa bonne femme en legging, on n'en revient pas de ce qui est devenu dire qu'à Polyvalente, c'est le king. Salut à la JBM. Chanson dédiée à tous les gens qui ont été marchés dans les rues partout à travers le monde pour s'opposer à cette guerre-là. Dédiée à ces gens-là qui se sont tenus debout et qui se sont levés. Et surtout pas dédiée à nos voisins du Sud qui ont décidé de tout diriger par eux-mêmes et à M. Blair et toute cette gang de mangeux de marde-là. Chef d'État s'énerve le poil, la marde est pognée partout, ça parle rien de son nouvelle. On risque de constater qu'il n'y a pas eu d'évolution. On soit prêt à s'entretuer comme des hommes de gros magnons. Mais chez nous, au Québec, il n'y a pas de guerre depuis des siècles. On n'est pas censé faire tuer, mais semble que ce soit compliqué. On a pris un éléphant, mais on n'est pas des crackpots. On n'aime pas les chars d'assaut, pas plus que le bruit des bosses. Allons résistons, mes frères, à la connerie des militaires. Dans notre village d'Astérix, au nord de l'Amérique. Toujours été poignés dans des conflits militaires qui ne nous concernaient guère. À l'époque, c'est nos grands-pères qui ont suivi la conscription et qui ont traversé la mer pour servir de chair à canon. Mais moi, je te dis qu'aujourd'hui, ils prennent pas pour un tueur. Pour le compte d'une patrie, j'aime mieux devenir des affaires. J'ai jamais une mitraillette, je n'ai jamais de bouchard en boîte. Dans le fond d'une caverne, fait voir par mes canadiens. Alors, résistons, mes frères, à la connerie du militaire. Dans le village d'Astérix, au nord de
pays tranquille qui n'a jamais vu de missile. Ici, c'est donc qu'on se battait. J'étais à coup de mon tiré, Steven jouait au G.I. Joe avec des bonhommes vivants. Moi, je laisse faire les idiots, puis je chante mon drapeau blanc. Rien à foutre de l'armada et de la folie des chefs d'État. La guerre sexe pour les effets, moi, ce que je veux, c'est la sainte paix. Allons, résistons, mes frères, à la connerie des militaires. En chantant une colombe, loin d'ici, vraiment des bons. Juste des bonnes interventions. La prochaine chanson est dédiée à tous les gens qui ont déjà un chat beige et qui le respectaient. Quelle bonne intervention! Down, qu'est-ce qui se passe? J'attendais que vous partiez la toune. Ah, ok. Alors, on va la partir. Merci. Ça va, ma petite sœur, bien que je te serre dans mes bras. Puis as-tu retrouvé le bonheur dans ton trip au Canada? Dans le bout de cette année, il s'est pas passé grand-chose d'un peu haut. J'espère au moins que c'était le fun là-bas. Je suis fier que tu m'aies pas amené un beau frère de l'Alberta. Donc t'es pas devenu fédéraliste, ma petite Chris. Anyway, j'suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne. C'est que ça m'a fait ben de la peine de te voir partir, ma mignonne. C'est y'a papa qui se remet de sa petite opération. T'aurais dû le voir, il fait qu'il fallait le traiter aux petits oignons. Et maman s'est inquiétée toute l'année à cause de toi. De mon bord, j'ai décidé d'arrêter de végéter. Je rentre à l'université, on verra ce que ça va donner. Mais tu me connais, j'ai pas motivé plus qu'il faut. Ben de la peine de te voir partir, ma mignonne. J'ai vu Simon le mois passé, t'avais pas trop l'air d'être. Il m'a dit que t'avais pas rappelé depuis sa fête en février. Si tu l'aimes plus, faudrait peut-être pas le niaiser, c'est un bon body. Et puis toi, ma petite sœur, es-tu toujours aussi perdue? C'est-tu encore la grande noirceur? Oh ben, c'est d'offrir dessus. C'est que la vie est parsemée de petites misères, faut pas t'en faire. Anyway, j'suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne. C'est que ça m'a fait de ben de la peine de te voir partir. Thank you.
En plus, vous restez là parce qu'après la pause, les Cowboys vont en faire d'autres, mais aussi vont répondre à nos questions et à celles du public. C'est l'artiste du mois d'avril, les Cowboys Fringants. Cowboy Fringant, on est de retour pour une petite entrevue. Il y a comme un concept qui s'est installé. Tout le monde a une couronne ouais. Moyenne. C'est parce qu'il fait 50 degrés ici, Musique Plus. Ah. Avez-vous chaud? Ah, je comprends. Regardez. Wow. Quand même nous chanceux. T'aimons. Merci, c'est dans super. Je suis dans votre gang? Right. Tu joues un ouais. Instrument de musique, on va t'inviter. Je joue du triangle. Caroline, j'ai oublié. J'en joue pas, moi. T'en joues pas? De triangle. Du triangle. C'est quand même assez complexe. Bref, on va passer là-dessus. On va passer là-dessus. Le public est quand même assez en délire. Et puis, dès vos débuts, vous avez commencé à donner des shows assez rapidement. Est-ce que vous ressentez une certaine fierté d'avoir acquis votre public une personne à la fois? Ben, en tout cas, je ne sais pas si c'est une fierté, mais on est bien contents qu'ils nous suivent depuis des années, là, sans arrêt. Puis, ils ont comme toujours fait partie de notre succès, puis ils se sont sentis impliqués là-dedans. T'sais, ils ont appelé dans les stations de radio les gens pour faire jouer nos tunes. Ils ont rempli nos salles, qui ont toujours été plus grosses. Fait que, parce nos amis. C'est un peu le sixième membre des Cowboys. Le public est un sixième membre. Ouais. Le sixième membre, ouais. Mais comment vous expliquez ça que, dès le début, vous avez vraiment là, des fans irréductibles, là, intransigeants? C'est sûrement les déguisements. C'est les déguisements? Mais je vois pas autre chose. Ben les chansons, peut-être, ou peut-être l'énergie sur scène, ou peut-être des déguisements, sûrement. Les déguisements, sûrement. Ça vous fait quelque chose de voir qu'ils ont tout un look hawaïen, ça vous donne le goût de retourner les voir en spectacle? Ouais! Eux autres sont comme... C'est une idée d'homme, ça. Mais honnêtement, combien de personnes, vous pensez, vous ont vu, disons, dans la dernière année? Ou depuis vos débuts? Estimons, à peu près. Estimons, ça se dit pas. Faisons une estimation. Comme il y a plusieurs personnes qui sont venues nous voir 150 fois... Disons qu'il y a à peu près seulement 8000 personnes qui nous ont vus au Québec, mais fois 150. Ça fait genre... C'est tout le temps les 8000 mêmes personnes. Les 8000 mêmes? Alors, vous commencez à les reconnaître, là, non, dans la foule, on les connaît tous par leur nom. Oh, Sylvain, Claude, Steven. Par contre, j'ai entendu une histoire qu'il y avait, je ne sais plus si c'est vrai, deux anglophones francophiles qui vous suivaient de show en show. Est-ce que c'est vrai? John and Adam. Adam Ramadan? And John, je sais pas quoi. Je pense que Adam apparaît dans le documentaire Country qui sort le 13 mai. Toi, t'as c'est fait vrai. Un bac en marketing ou en promotion. C'est ça, ou il s'en va chose. En marketing après. C'est ça, ouais. Ben, j'ai juste ça en tête. On en c'est toi tantôt. Le gérant? Non, le gérant. On le montre pas. Non, la caméra, non. Par là. Non, par là, OK. Ne le montrez okay. pas. En parlant de votre gérant, qui apparaît court quelques secondes okay. dans Country. Claude Larrivée est aussi dans une des chansons, La toune cachée de Break Syndical. Oui. On parlait tantôt des personnages que vous affectionnez tout particulièrement. Qu'est-ce que ça nécessite pour que quelqu'un vous inspire à un point tel qu'il soit immortalisé dans une chanson? Et toi, qu'est-ce que Marc Talbot te dit comme personnage pour que tu le chantes si souvent? Marc Talbot, moi, m'a inspiré le grand talent de mécanicien à la base. Donc, c'est la première. C'est pour ça que j'ai parlé de lui, mais Claude Larrivée, ce serait dur, hein, quand même. Qu'est-ce qui dur. Nous a inspiré de parler de lui? C'est toi qui as écrit la toune, Dom. En fait, c'est juste parce que vous dites faire plaisir à notre gérant, donc vous mentionnez le nom. C'est pas mal juste ça. Essayez pas de chercher plus loin, les gars. Il y a pas d'autre. Admettons Dieudonné Rastopoulos ou quelque chose dans le genre. Ah, mais c'est ça, la plupart d'entre eux, il y a des vraies histoires. Dans la case grecque de Repentigny, il y avait une personne de couleur dans les cuisines. Une personne de couleur. Et donc, ma tante, as-tu remarqué cette personne de couleur? Je dis oui, il était adopté par des Grecs. Il s'appelle Dieudonné Rastopoulos. Et de là est venue la chanson. C'était ma première bonne réponse ce soir. Tronton, tu veux pas plugger une autre fois, là? Le 13 mai. Pardon, le 13 mai. Bref, on retourne dans le public. Stéphane Gonzalez, tu as des questions? Oui, j'ai des questions. Je juste rappeler que c'est une émission interactive. On est allé rencontrer les gens sur la rue qui ont des questions pour vous autres. Il y en a aussi dans le public ici, par Internet. Là, j'ai une couple de petites questions pour vous autres avant. Premièrement, il y a une petite question pour Marie-Annick. La question s'adresse à toi. Parce que souvent, tu sais, avec des gars, c'est difficile d'avoir un petit peu de place. Je veux savoir comment tu trouves, toi. Ça dépend? Oui. Comment tu trouves sérieux d'être tout le temps avec des gars? T'es-tu rendu à un point où... T'es un gars ou t'es complètement le contraire, puis... Comment? Non, mais sérieusement, ça doit être top. Mais des fois, j'embarque dans leur jeu. OK. En tournée, tu sais, joue aux cartes ou, je sais pas, au ballon dans le corridor. Ça, des fois, je m'intègre. Puis d'autres fois, mais j'ai quand même un partenaire, tout de même, Dominique. C'est qui a côté un à ses bon femmes? Copain pour aller magasiner. OK. C'est pour ça, d'ailleurs, que
qui supporte les roses. OK, il y a un côté assez femme qu'on connaît un petit peu moins. Oui, hein. Mais ça, j'en ai des tatous aussi. Qui est très appréciable. Ouais. On s'aime. Mais je trouve pas que c'est dur. Non? Non. T'es-tu plus la même maman? Même que je trouve ça plaisant d'avoir quatre gars avec moi sur une scène. Okay. Tu sais, c'est comme ça, moi, je dégage autre chose qu'eux. Puis ouais. Je trouve que ça fait la force un peu du groupe. Puis il n'y a pas de compétition. J'ai pas de compétition avec eux. Quand filles, des fois, tu sais... Avec les filles, c'est plus facile. Peut-être que j'aimerais mieux être meilleure que... Il y a personne qui parle dans son dos, tu sais, qu'à bitch. À part toi, des fois, peut-être, non? Avec ton côté femme, non? Non, c'est pas ça. Moi, je voulais dire quelque chose. Allez! Non, mais c'est ça. Non, il me faut c'est rire. C'est hein, part d'homme avec son côté fille des fois. OK, j'ai une autre question avec. Je sais que vous êtes des amateurs de sport, pas mal. Là. Il y a aussi la chanson « Salut mon Ron », vous êtes allé à l'émission aussi. Moi, je veux savoir si on vous proposait d'aller chanter ou d'aller performer l'hymne national avant un game de hockey au Centre Bell ou avant une game des Expos Stade Olympique, est-ce que vous accepteriez l'offre? Ça nous ferait plaisir d'aller chanter « Jean du pays ouais, ».« Jean du pays ah, ». Bravo! Amateur de sport, sérieusement, est-ce que vous aimeriez ça vraiment aller faire ça avant une game de hockey ou une game de baseball? Non. Non. Est-ce que vous aimez mieux aller encourager les équipes ouais. Aller les voir? On a un chum qui travaille au Centre Bell puis nous donne des billets dans Zone Air Canada. Fait que, ainsi que des potins sur les voies. On va se fait que vous n'avez pas besoin, dans le fond, d'aller chanter ça pour aller voir les games au Centre Bell ou au stade. Au stade, il y a plus grand monde qui vont, par exemple, mais c'est plat. Et vous connaissez d'ailleurs les paroles de l'hymne national? Oui, on connaît surtout les paroles qui sont en français et qui sont toujours chantées en anglais. Dom, vas-y donc. Petit exemple. Deux fois trempé, protégera. Deux fois trempé, protégera nos joyeux et nos droits. C'est beau ça! C'est poétique! C'est l'hymne national d'un beau pays qui n'est pas le nôtre. Oh! Tu pousses un peu loin. Et voilà! OK! Je dis que le mot, c'est la deuxième bonne réponse. Plus que ça. Carl l'a dit, on irait chanter Jean du pays avec plaisir. Super, non, ça répond très bien à la question. On va changer de question, c'est correct. Carl est là. Non. On a une question du public maintenant, ça va bien? Ah, oui. Quoi ton nom? Michel. Michel, alors vas-y pour ta petite question, les gars. Futur membre votant du Parti Pain. Parti Pain. Toi, tu voterais pour le Parti Pain. Ah, certain. Hein? Merci beaucoup. Merci de ton appui, Michel. Oui, c'est ça ma question, c'est que vous êtes un groupe très original, sans aucun doute. Puis je voulais savoir si vous aviez des influences particulières de d'autres groupes ou si vous composez vos tunes sans aucune influence. Alors, c'est sûr qu'on a énormément d'influences, mais je peux pas dire qu'on a une influence particulière. Là. On a écouté plein d'affaires. Chacun, je pense, dans le groupe a son bagage de chansons, c'est de groupes ou d'artistes. Les cinq, on n'écoute pas les mêmes trucs, tout à fait. On a écouté bien des affaires, bien des affaires différentes aussi d'un membre à l'autre. Fait que... Je sais que Marie-Annick a aimé beaucoup de choses. Tu pourrais peut-être nous en citer quelques... Non, mais moi, ce que je voulais dire, par contre, je voulais parler de toi, justement, que JF, mettons que Plume la traverse, Renaud, ça a été de grandes influences, des personnes influentes pour lui. Oui. Puis c'est ça, puis je trouve que ça se retrouve beaucoup dans nos textes, quand même, la façon que Jean-François écrit. Ben, je sais que musical, je sais que Louise Attaque, les gens aiment bien nous comparer, ou... le côté folklorique de la bottine, mais c'est pas nécessairement les groupes que j'ai le plus écoutés à la maison. D'ailleurs, le prochain disque va être très inspiré de la bottine. Toutes les tunes sont... Mais l'écart le plus grand, là, disons, entre les deux personnes ici, je sais pas, y a-t-il quelqu'un qui écoute du Iron Maiden puis quelqu'un d'autre qui écoute Usher? Ça moi, j'écoute pas mal Scorpion. Non, Usher, absolument pas. Pas de chance pour Usher. Moi, mon frère écoutait du heavy metal et joue du death metal, d'ailleurs. Je salue Frank, à l'âge Ghislain. Et c'est comme... Moi, c'est ma source de... The Testament, Sepultura et Maiden. Fait que donc, je les ai écoutés. Moi, j'aime beaucoup Maiden. Moi aussi. Maiden! Je trouvais que ça avait un lien avec Marillion. Ah. Hey, d'ailleurs, Maiden, le rythme galopant de Steve Harris se retrouve dans votre musique. Dom, c'est le gars de prog dans le groupe. Testament s'en vient en show, m'invite à Montréal avec Rob Halford. Tu vas aller voir, sérieux? Là. Ah, on va checker ça. On a aussi des questions, bien sûr, des gens dans la rue. Donc, si vous voulez regarder le moniteur. Rêve, Vox Pop, c'est ce que ça veut dire. On regarde ça. Salut les cow-boys, j'ai pour vous une question à 300 points, alors écoutez-la bien. Avec un peu de recul, quel a été le style de coiffure ou de vêtements que vous regrettez le plus d'avoir adopté? Marie-Annick,
on dirait que tu te sens coupable. On dirait que tu te sens coupable. As-tu quelque chose à nous avouer? Je dirais que j'ai déjà porté une robe qui ressemblait à un moment dans ta vie, avec le bonnet et tout. Oh. Ah, c'était impossible. Très drôle. Sur scène, le 23 juin 1997. Oui. Et je me suis revue sur écran. Dans ton DVD qui va sortir. Ben oui, exactement. Vous allez pouvoir voir cette belle robe. Mais je dirais que ouais, c'était assez, assez affreux comme look. Tu as regretté cette décision-là? Ben, regretté, là. On n'en met pas trop. Jérôme, ça là, pourrait même être beaucoup trop long, par exemple, à énumérer. J'ai la coupe BB, Rocketeer. La coupe déjà, BB? Déjà, présentement, il regrette sa coupe de cheveux ce ben soir. Mais voyons donc. Qu'est-ce que c'est la coupe BB, Rocketeer? Rocketeer Geneviève, le Rocketeer, par en arrière. Ah, OK. OK, ici, Carl? Je n'ai jamais porté la moustache. J'ai essayé, mais... Donc, je ne peux pas regretter d'avoir déjà porté une moustache. Je n'ai jamais eu. J'en ai d'ailleurs pas. Bon. Moi, je ne regrette pas une chose. Un look que j'aurais pu adopter. Ma mère voulait que je me fasse faire des petites frisettes, là. Modeling? Malheureusement, ouch, tu caldes. Une permanente? Une permanente au secondaire. Avec que je sois rasé ses côtés avec une permanente sur le dessus. Ta mère voulait ça! Et ça n'a pas eu lieu, heureusement. Non, sinon je ne regrette absolument rien de ce que je porte ou de ce que je fais. J'ai quand même eu la petite queue en arrière de lézard. Comme dans la vie, mais... La petite queue de rond, lézard. Hey, ça va puer ici, là, quand même. J'étais hot. Mais personne dans le groupe a eu les cheveux rasés avec un teint blonde en plus. Il était pas blond, par exemple. Ah, OK. C'était quand ça, Jean-François? Ça, c'était en cinquième, quatrième année. OK, c'est correct, c'est excusable. Le 31 ans, j'étais hot. Il était hot. Il porte le même côte de jeans depuis. C'est vrai, toi, t'as quelque chose contre les côtes de jeans, hein? Non, c'est très original d'avoir un côte de jeans bleu. Personne ne m'a porté cette année. Vous serez le seul dans la rue. Vous sentez visé s'il y en a qui en portent ici, dans notre environnement. Moi, j'en porte un, il m'écœure tous les jours. C'est correct. Moi, il m'a dit que j'étais pas cool en noir l'autre fois, mais c'est bon. On prend pas ça. Entre nous, je crois. OK, excusez. Donc aussi, Gonzo, on a des questions qui viennent de l'Internet. Oui, on a une question Internet qui nous vient ici de Patrick Guilbeault de Notre-Dame-de-Lourdes qui, sa question est pour Carl. Dans le fond, il dit, où vas-tu chercher toutes ces idées pour les anecdotes que tu racontes avant le début de la chanson « Aou Kachikayen » à chaque show, elle est différente. Alors, on va savoir comment tu vas chercher ces idées-là. C'est très, 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 très simple. À chaque fois, nous, si on a de la route à faire, si on se promène, moi, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, donc je regarde. Fait que je regarde les noms de villes, les affaires, des garages loufoques. Comme la semaine passée, quelques temps, on a fait... j'étais supposé partir une anecdote, justement, avant la chanson, qui portait sur Corey. Corey, qui est le fils de notre technicien de son, qui est un petit morveux. Ah, Corey! Donc, c'est ça. Et là, quand je suis arrivé sur scène, je me suis rendu compte que j'avais un fil de guitare de poignée dans mon soulier. Alors, là, j'essayais de l'enlever. Il était comme pris, donc j'ai enlevé. Et là, ben, au lieu de faire une histoire sur Corey, ben, j'ai improvisé une histoire de 5 minutes sur Claude, la corde de guitare suceuse de sang de jambe gauche. Donc, voilà, c'est tout. C'est très fort. C'est moi, je trouve pas ça simple du tout. Je trouve que ça t'en demande beaucoup, non? C'est demandant, mais c'est des fois, c'est mettons, je dis le mot « mais », et c'est le mot qui suit « mais », que je suis pas sûr ça va être quoi. Donc, c'est tout le temps un paquet de surprises, et je pense que les gens aiment ça. Les gens apprécient. Gonzo, on a encore des questions du public? Oui, on est avec quelqu'un d'autre, présentement. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Et toi, ton nom, c'est? Marie-André. Bonsoir, Marie-André. Bonsoir. Vas-y avec ta question. Ma question est pour Marie-Annick. Oui? J'aimerais savoir... C'est le fun que j'ai des questions. Des questions à toi, là, à soir. Mais tu nous as fait une excellente chanson sur Break Syndical qui s'appelle Quand je regarde. Et je me demandais si sur le prochain album studio, on va avoir la chance d'entendre plus de chansons interprétées par toi ou si tu comptes encore te concentrer sur la composition de la musique. Mais peut-être, mettons qu'on n'a pas commencé à travailler un nouvel album, mais j'aimerais ça. Par contre, je ne suis pas vraiment une chanteuse, donc je pense pas que ça serait nécessaire qu'il y ait plusieurs chansons de moi sur le disque. Je suis pas vraiment un chanteur, donc... Ouais, c'est vrai. J'avais oublié. Et moi, je suis tubiste, alors... Ben, c'est ça, mais on verra probablement une, tu sais, vu que ça a plu à beaucoup de gens quand même, que ça fait différent. À un moment donné, t'arrives bon dans le disque, c'est une nouvelle voix qui arrive. Fait que probablement, sur le nouveau disque, il y en aura une chanson. Est-ce que tu étais gênée en passant? Pardon? C'est moi qui parle. Moi ici, Rebecca Maconnell. Est-ce que tu étais gênée de composer, de chanter cette chanson-là devant eux autres? Non, mais en fait, j'ai vécu avec Jean-François. Puis à chaque fois que je compose des tunes, puis tout ça, bien, souvent, je lui montrais que ça donnait. Mais c'est un public assez... critique? Assez sévère. Non, vous êtes sévère. Fait que, surtout J.F.
Ben, c'est parce que lui, il est sévère envers lui-même. Hein, fait OK. Que, il est sévère envers les autres aussi. Surtout sévère envers Jérôme, par exemple. Ouais. Pauvre Jérôme, c'est comme le beau émissaire Jérôme, c'est ce soir. C'est plus jeune. C'est le bébé. Mais quand t'amènes Dom magasiné. Va nous acheter des cigarettes. C'est moi qui c'est sors pas bon fumé, Carl. Mais c'est ça, mais quand tu sors magasiné, au moins, là, tu peux y en parler avec Dom. Tu dis, hey, écoute cette chanson-là. Là, tu l'amènes magasiné pour qu'il puisse se défouler. Ah, Dom Magazine. Porte du rose. Porte du rose. Porte du rose puis magazine. Bref, on en prend plein de choses sur toi ce soir. Hein. Mais là, on a quelqu'un d'autre ici qui a une autre question du public. On a une question du public ici, ça va bien? Oui, toi? Vas-y, pose ta question quand même. OK, moi, je voulais savoir, parce qu'on sait que vous aimez la bière en chaud, là. Je voulais savoir si, à part une bonne bière froide, vous aimez d'autres... Avez-vous d'autres caprices dans vos shows ou après, là? Alors, après ou... Ben, après, pendant, peu importe. Après. Tout le temps? Ouais. Le petit sandwich, pas de croûte. Oh! Wow! Parfait! Sont à quoi, les sandwichs? Eux, poulet, jambon. Et les trois, les traditionnels. Donc, blanc, bon rose, jaune, c'est ça? Ouais. C'est pas mal. Ouais, c'est ça. C'est pas mal, ça. Des petites crudités, des affaires de même. Là. Ah, ben c'est bien. Ben, c'est sûr, s'il y a du phare, du porto, un caprice, ça serait peut-être GF. GF, la bouteille doit être bouchée sur scène quand il a peur que les gens mettent de la drogue, du viol. Drogue, du viol. Non, mais c'est vrai. C'est tout d'abord. Moi, j'ai eu une anecdote. Je connais un gars, pour vrai, qui jouait de la batterie, puis s'était fait offrir des bières par des gens du public, et il y avait. Bon, il se sentait très bizarre à un moment donné. Et depuis ce temps-là, j'ai comme une fixation. Je dis tout le temps à notre roadie, amène-moi une bouteille de d'eau sur scène, mais pas débouchée, okay. S'il te plaît. Donc ça, ça et ben, j'ai même plus besoin d'y le dire. Ça et ne pas prendre l'avion. Non, l'avion, ça c'est... si un jour ils font une tournée en Europe, ils nous racontaient la dernière fois, Jean-François, qu'ils vont devoir se rendre en bateau. Donc ça va être assez long, là, mais... Tu vas te rendre en bateau. Tu vas te rendre en bateau. Non, je vais y aller avec Kaza. Le reste va être en... Être le fun sur le bateau. Le reste vont être en Concorde. J'attendais à... C'est ça. Ben, merci, je me disais. S'il n'y en a pas un là-bas merci, qui me Marianne. Dit, je ne sais pas où on s'en va où. Mais après la pause, restez avec nous. D'autres prestations de notre artiste du mois d'avril, les Cowboys Fringants. Musique plus. Le gros, donne-moi tes clés, tu pètes la ballonne. T'es ben trop pacté pour chauffer ta minonne. Le lascar est passé, y'a plus un chat en place. Et je te paye un café au petit resto d'en face. Ça fait une couple de semaines que tu parles de tirer. Pis que tu sors tes rengaines de gars qui est déprimé. Mais comment ne fais pas le con, faut savoir s'accrocher. C'est les mauvais cotons, ça finit par passer. Pis moi, j'aurais plus personne. J'aurais pu mon vieux chum qui viendrait me bomber des tops quand ça va mal à shop. Hey Rémi, fais pas de conneries. J't'aime bien la face puis tu me dois encore 50 piastres. Les spots sont allumés, le patron compte sa caisse, la waitrice est tannée, il faudrait bien qu'on se presse, tu rémis moi aussi, j'en viens à me demander à quoi ça sert la vie quand ça se met à clocher, et puis je trouve que par bout, c'est vraiment pas facile, qu'on est bien seul soit à bout dans cet univers débile, mais rendons à maison. T'as un flow qui t'adore, ça c'est une vraie bonne raison pour pas passer de l'autre bord. En plus, j'aurais pu personne. J'aurais pu mon vieux chum, celui que je pleume à chaque année avec le pool d'hockey. Hey Rémi, fais pas de conneries. J't'aime bien. Au lieu de
tirer la plug sur ta crise de vie de bombe. Essaie de lâcher la drogue puis de faire de toi un homme. Parce que moi je veux retrouver le vieux chum que j'ai connu. Mais personne peut t'aider si toi tu te bottes pas le cul. Le boss boy passe la mop, ils vont barrer les portes. On se fume une dernière top, après faudrait qu'on sorte. Juste au moment de se lever, il a fini par me dire de pas trop m'inquiéter, puis qu'il allait essayer de se ressaisir. Merci beaucoup. Vous avez une très belle voix. Merci.
Joyeux Calvaire, Cowboy Fringant, est-ce que vous en voulez d'autres, tout le monde? Un public en feu. Restez là parce qu'après la pause, Cowboy Fringant sont encore là. En prestation, c'est l'artiste du mois d'avril, la musique plus. De retour à l'artiste du mois d'avril ici à Musique Plus. C'est presque déjà fini. C'est presque déjà fini. C'est un peu moche. C'est presque déjà terminé. Avez-vous du fun au moins? Oui, mais ça a duré comme 15 minutes, on dirait. Sérieux? Je sais pas si c'est le public, les questions, les chansons. Ça a comme passé super vite. Tu nous confies quelque sincère, chose? C'est sincère. Ouais. La télé, ça passe très vite. Tac, tac, tac. OK, placez-vous. OK, des questions. OK, je joue des tunes. Puis là, ça va durer une heure et demie à la télévision. On sait pas comment. Non, mais vous avez eu du fun quand même? Oui. Est-ce que vous avez eu du fun? Je pense que là, c'est un bon moment pour finalement faire la plug. Regardez ce que j'ai en mes mains. Attache ta tuque, les Cowboys Fringants, un album live enregistré où, Marianne? Mon Dieu, Metropolis Spectrum. En pendant décembre. La tournée montréalaise qu'on a faite, le triomphe des Cowboys Fringants. Plus de 2 heures génial. De musique? C'est quoi, il y a un DVD avec plein d'affaires dessus. Il y a marqué DVD Country, le documentaire. Oui, ça dure 1 heure et quart de documentaire. Il y a quelque chose comme 50 minutes de show du Spectrum en images. Et les clips avec. Et tous les clips des Cowboys. Et tous les clips. Et 2 heures de musique, et c'est le 13 mai. Et c'est le 13 mai. 13 mai, on répète, le... 13 mai! Voilà! Ils ont compris. Tous ces gens-là vont aller se le procurer. C'est presque terminé. Par contre, vous allez encore nous jouer. On vous a encore en prestation pour 2 chansons. Donc, on y va immédiatement avec... L'hiver approche, mais juste avant... Un grand classique. Vous la connaissez, en berne, les Cowboys Fringants! Dans un Québec, contre les changements, l'emblème de la fleur de lys donnait un peu d'espoir aux gens. Mais quand je regarde ça aujourd'hui, je suis donc pas fier de ma patrie. Ça dort au gaz d'un bungalow, de queue assise sur statu quo, en se gavant de téléromans et de torches sur les plus stupides. Se laissant mourir sur le divan avec leur fatidaire. Quand c'est dans ce royaume de la poutine, on se complète en médiocrité, mais satisfait de notre routine et du bonheur préfabriqué. Un petit gratteur, un petit caissier ou dépanneur. Envoie les gros sortons, si deux et millionnaire, c'est le bonheur. Je me mets à rêver le samedi, il va peut-être quitter son dos. Il espère toujours mon petit moron. Une chance sur 14 millions. Dans l'assainement du casino, un gars tire une balle dans la tête. Ayant de plomber son magot, il n'a plus trop le cœur à la fête. Mais le gouvernement s'en balance. Si nous rire, même les gamblers en exploitant leur dépendance. Un peu comme le ferait un pocheur. Si c'est ça le Québec moderne, mais moi je mets mon drapeau en verre. Les bouffons qui nous gouvernent. Si tu rêves d'avoir un pays, mais moi je te dis que t'es mal parti, t'avais plus de chances de gagner à l'autre. On a été pendant des années, un petit peu de semaines qui marchait les fesses serrées. Quand arrivait le foreman, aujourd'hui ça a un peu changé. Les gars sont tous syndiqués, ça jase 3-4 autour d'une belle en garantie, les jeunes frères disaient. Faudrait pas se réjouir trop vite, on est encore des porteurs d'eau à la solde des gens de l'élite. Et des pleins de mal en toxédo quand le boss d'une grosse corporation ferme son usine en Gaspésie, te demandera pas ton opinion et va se laquer sans dire merci. Un robinet qui est dans la rue, au pied d'un grand building en vain, il va passer inaperçu à la sortie des actionnaires. Pour eux, c'est les revenus. Et non, les problèmes de la mer, pas de ma faute, c'est des intrus. Moi, l'important, c'est que je passe faire les premiers ministres, fait semblant. C'est fait pour les pauvres gens. Alors qu'on sait qu'ils vont servir des fortunés de leur business. Environnement, la pauvreté, c'est pas des sujets prioritaires. On n'entend pas beaucoup parler derrière les portes des ministères. Si c'est ça le Québec moderne, mais moi, je mets mon drapeau en vert. Les gens perdent tous les bouffons qui louent. T'es content de ce pays, mais sans mon homme, c'est ton ami. Tu dois être le PDG d'une compagnie. Et dans le parc, la mélodie, il continue à tout rentrer. C'est ça le problème de ma patrie. Y'a personne pour s'indigner contre la fausse démocratie.
serai banquier dans cette tour des meubles des ignores. Pour ton frappe une sorte d'histoire, et c'est bien juste les plaques de genre, leur donne un petit peu de mémoire. Si c'est ça le Québec moderne, moi je mets mon drapeau en verre, les gens verts de l'émouvoir qui le gouvernent. Si c'est ça que t'appelles une nation, va faire que tu sois assez con, t'es mieux pour te présenter aux élections. Un Québec moderne, mais moi je mets mon drapeau en vert. Si c'est ça un Québec moderne, mais moi je mets mon drapeau en vert. Mais tous les institutions. Merci beaucoup hein, tout le monde d'être venu ce soir, d'avoir bravé cette température hivernale sans bon sens. Attache ta tuque avec la broche, chérie, l'hiver va être tough cette année. C'est fini le temps des brioches, on mange de la misère pour souper. Faut que je fasse poser mes pneus d'hiver sur mon bazou couvert de rouille. Avec le gaz qui est toujours plus cher, ils savent qu'ils nous tiennent par les couilles. J'joue dans le trafic à tous les matins avec des millions d'êtres humains qui se battent pour un pouce d'autoroute sans trop se demander ce qui est au bout. Tout seul au fond de leur voiture, chantonnant des balades FM, sachant comme moi que la vie c'est dur, mais qu'il faut continuer la game. Dans le drogue, et ça roule par choc à par choc. Pas de rouge, je suis le métropolitain, jamais ma raide au quotidien. Un gars qui se fait barrer le chemin, klaxonne en brandissant son poing. Comme un lion au fond d'une cage, voyant les embouteillages. Allez, honnête citoyen qui rêve de plage et de climat. Au milieu de l'hiver canadien, votre boulot est le seul remède. Soyez quand même aux aguets, car le burn-out vous vous rattrape. Tu travailles trop, mon petit chummy, tu vois même pas ta vie passée. La terre entière carbure au fric, salaire qu'on n'est pas dans gamme. Parce que dans le monde des gens importants, y'a pas grand place pour les perdants. Ils se contentent de nous balancer à tous les heures du jour ou de la nuit. Toutes les conneries de publicité, pis ce qu'ils ont à nous vendre comme bullshit. Dans le stationnement des c'est encore le branle-bas de combat. Des chars à 1 000 à la ronde, puis des magasins noirs de monde. Le Père Noël vient débarquer, on n'est même pas à mi-novembre. Le petit Jésus doit être déprimé, les vendeurs sont venus dans le temps. Hey, plus tard. Je suis le marchand de cochonnerie, le vendeur de rêves à bas prix. American Dream, on belle somme, c'est pas cher, bravo, du fun. Allez, on traîne, on part en dol, louez-vous, achetez une belle bagnole. Pas l'intérêt pendant un an, et donc utilisez les chauffards. Vos vies plates seront transformées par quand mes illusions en vain. Et si jamais t'es pas content, ici, il n'y a pas de remboursement. Je loue ma vie à un employeur, à coup de journée, pis de coup de soir. Qu'on fait toute la putain pour pouvoir se payer des cossins et se rendre compte qu'un petit rien tout neuf, ça va.
Sweetie. Merci, merci à vous autres. C'était l'artiste du mois d'avril 2003. Malheureusement, c'est déjà terminé. Merci beaucoup ici à la maison, au Cowboy Fringant à Dominique. Au mois prochain, bye bye. Merci tout le monde. Mon chum André, moi, si il vivrait quelque part en Europe, et qui sait, je rendrais leur comme Reggie Dunlop. À vos postes, amateurs de sport, et allumez vos radios de chant. Garochez-vous sur le téléphone pour dire salut mon rock. Run, 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 run. Parce que personne, mais personne ne peut te battre mon run. Hey! Écoute mon run, dis-moi si ça t'allume. Les jongliers ne sont pas à manipuler.